Alors bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Beach Volleyball Summer Heat. Donc vous l'avez compris, hein, c'est un jeu de volley, hein, tout simplement Beach Volleyball. Voilà ce qu'on va faire. Donc c'est une découverte, hein. C'est un jeu que j'ai trouvé en vide-grenier pour. Je vais vous dire ça tout de suite. Non, pas en vide-grenier, en cash plutôt. Donc je l'ai eu à moitié prix, il coûtait 3 euros, donc du coup je l'ai eu pour 1,50€. Bon, ça va, c'est pas trop cher pour un jeu comme ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas option? Non, il n'y a pas option. Alors ce qu'on va faire, c'est on va mettre le mode arcade tout de suite. Hein. Hop. On va mettre facile parce que comme je suis très nul. Ok, joueur 1. Bon, on va prendre des bebs. Oh, on peut choisir un maillot. Plutôt pas mal. On va prendre ça et puis on va prendre. Attendez, je regarde. D'accord. Donc il y a plein de personnages qui sont à débloquer plutôt. On va prendre la blonde. Hein. On va lui mettre le maillot violet, histoire de changer. Hein. Allez, c'est parti. Donc je connais pas les commandes. Hein. On va faire une découverte là tout de suite en live, hein, en direct. Hein. Donc je vous ai pas dit, mais on se retrouve pour la vidéo du soir, hein, la vidéo détente du soir bien sûr. Donc une vidéo très rapide, juste pour vous montrer un peu le jeu que j'ai acheté pour pas très cher, un peu mes trouvailles on va dire. Alors Silver Sand, putain, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de filtre. Moi, je trouve que les personnages sont assez, enfin, ils sont moyennement bien modélisés, on va dire. D'accord. Attends, mais comment on joue là? D'accord. Ok. Bon, pour l'instant, je sais pas trop. Hein. J'appuie sur les touches. Ouais. Pour l'instant, je sais pas trop comment jouer. Je sais pas trop. Hein. J'ai l'impression que. Enfin, j'ai l'impression que ça joue tout seul. Bon, la musique, c'est une musique commerciale. Hein. D'ailleurs, je sais même pas c'est qui chante ça, je m'en souviens plus. Ouais. Bon, pour l'instant, je comprends pas très bien. Hein. Oula, on a une sacrée vue là. Hein. Ah ouais, non mais. Comment on fait? Ah ouais, d'accord, on peut zoomer. Mode vue, oula. Oula là 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 là, d'accord, ok, d'accord. Ok, bon. Comment je fais pour quitter? Start, d'accord. Bon. Bon, là, je découvre. Ah, mais d'accord, à mon avis, je dirige. Je viens de comprendre le truc, en fait. Donc, moi, je dirige que la brune. La blonde, elle est automatisée. Donc, c'est le CPU qui la dirige. Putain, merde. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Putain, mais je suis nul. Bon, là, je comprends pas très bien encore. Hein. Bon, déjà, ce qui est. Putain, mais j'appuie. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est que. Enfin, ce qui est bien. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais. En fait, on sait à peu près où les personnages visent. D'accord, ben, j'ai appuyé sur le rond, ça n'a rien fait. Je vais essayer d'appuyer sur les autres boutons pour voir. On va essayer le carry cette fois-ci. Bon, carry, ça marche. Donc triangle, ça renvoie directement la balle, d'accord. Bien joué, bien joué, bien joué. Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, donc triangle, ça renvoie directement la balle. Carry, c'est pour faire une passe. Bon, ça va, ça a l'air plutôt facile pour l'instant. En fait, une fois qu'on comprend bien les. Qu'on comprend bien les touches. Peut-être qu'il faut appuyer sur rond. Je vais essayer d'appuyer sur rond. Non, non, donc c'est pas rond qu'il faut appuyer. Hein. C'est carré. Je vais essayer d'appuyer sur triangle pour voir cette fois-ci. Si ça change quelque chose. Ouais.
Ok, non, là je me suis gouré, je sais pas encore comment se matcher. Donc carré, ça nous fait bien une passe. Non, rond, ça fait rien du tout. Je vais essayer triangle cette fois-ci. Donc carré, hop. Ok, ouais, je commence à comprendre un petit peu. Non, triangle, ça fonctionne pas. Faire un smash, je sais pas comment faire encore. Merde, je suis un peu trop loin. Il y a combien là en fait? Pas d'accord, 9-1. Donc c'est elle qui va rattraper. Moi je lui passe la balle, d'accord, S match. En fait, donc carré, c'est pour faire une sorte d'appel de balle. Ah, j'ai perdu. Bon, ce que je vais faire, c'est. Ouais, je vais continuer. Bon, le jeu a l'air plutôt pas mal. Enfin, plutôt pas mal. Ce que je veux dire, c'est ça joue plutôt stratégique, on va dire. Ok, donc là j'appuie sur la flèche avant. Ça nous a mis une sortie directe. Donc là j'appuie sur la croix. Ok, je lui fais une passe. Comment on fait pour se matcher? Je sais pas. Je sais pas comment faire pour se matcher. Je vais essayer R1, R2 pour voir. Ah ouais, c'est ça. Faut maintenir R1. Putain, merde, ouais. Donc ouais, c'est bien ça. Voilà, tac, il me fait la balle. Là. Putain, merde, j'ai raté. Non, putain. Voilà, là je l'ai rattrapé. Mais non, mais comment je fais pour se matcher? Putain, je peux pas se matcher. En fait, ça le fait automatiquement. Bon, c'est super. On a l'impression que c'est vraiment automatique. Putain, je l'ai mis là le point. Non, putain, elle est sortie. Donc il faut forcément diriger son tir. Ouais, bien joué. Ouais, donc on peut diriger notre tir. Voilà, c'est bon. Donc là. Putain, elle sort là. Bon, elle a rattrapé. Tant mieux pour moi. Putain. Bon, le jeu a l'air plus. Bon, même si je me démerde. Même si je fais un peu de la merde, le jeu a l'air plutôt facile. Hein. Ah, peut-être que j'ai mis Aziz, c'est pour ça qu'il y a les flèches aussi. Faudrait que j'essaye de mettre normal pour voir. Oh putain, mais je suis vraiment nul là. Ça commence à me prendre la tête. La musique aussi commence à me prendre la tête. Bon, je l'ai. Donc là, un petit smash. Voilà, bien joué. Je l'ai eu là. Donc en fait, on a l'impression que. Il n'y a qu'un seul bouton qui sert vraiment. C'est le bouton croix en fait. Oula, c'est quoi ça? C'est bon, je l'ai. Oh putain. C'est bon, je l'ai. Voilà, je l'ai niqué là. Oh là, grave. Je l'ai niqué. Elle a rien compris. La puissance là. Alors, attendez, attendez, attendez. Je vais mettre comme ça. Je vais servir. Je vais essayer de faire un. Voilà, ok. En fait, on dirige notre tir. Putain, mais j'ai appuyé la croix. 8-3, putain, mais je suis vraiment nul. Allez. Allez, ma petite. Allez, allez. Tu l'as là. Tu l'as. Je l'ai. Allez. Tu me la mets là. Putain. Mais je voulais sauter. Je vais essayer d'appuyer sur les autres boutons. Putain. Putain, j'en ai marre là. Voilà, c'est bon. Et là, je. Putain, mais je voulais faire un smash. Non, je crois qu'il faut vraiment appuyer sur. Allez, là.
Ouais, nickel. Allez, allez, allez. Allez, allez, on se concentre, on se concentre. C'est bon. Ah oui, je... Voilà, bien joué, bien joué, bien joué. Oh, ce serait super si je pouvais gagner le match là. Mais bon, je pense pas. On va se concentrer. Oh putain, mais j'appuie sur le bouton! Bon allez, on réessaye une dernière fois et puis si je gagne pas, bah, tant pis, hein, c'est tout. Hein. En tout cas, le jeu a l'air plutôt, comment dire, c'est plutôt sympathique, on va dire. Bon, il est pas extraordinaire, mais c'est quand même sympathique, voilà. Et puis les personnages sont plutôt bien mobilisés aussi. Tu m'auras pas. Alors là, putain, mais je voulais faire un smash. Je comprends pas ce système de smash là. Ouais, elle a pas sauté encore. Ouais, donc c'est bien ça, c'est il faut maintenir R1. Donc là, je vais essayer de diriger mon tir. Voilà, là. Donc c'est... Putain, je l'ai. Oula, putain, je l'ai niqué là. Oh là 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 là. Je l'ai niqué. C'est bon, je l'ai. Putain, il a pas sauté. En même temps, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton R1. Voilà, là c'est bon. Et là, putain, elle m'a gêné. Ma collègue m'a gêné en fait. Oula, putain, j'ai cru que je l'avais là. Bon, sinon, ça a l'air plutôt dynamique quand même. Après, c'est vrai que niveau gameplay, c'est surtout le bouton croix pour l'instant. Hein. Sauf si je sais pas jouer, mais bah, je pense que je sais pas jouer, mais bon. Bien joué, bien joué, bien joué. Oula, ils vont la reprendre. Ces salauds. Putain, je l'ai remis en plein dedans. Là, cette fois-ci, je l'ai. Putain, mais je voulais sauter. Bon, je vais essayer de... Mais pourquoi elle saute pas? Bien joué, bien joué. Bien joué. Allez, vas-y. Petit match là. Bien joué, bien joué. Voilà, je commence à comprendre le jeu un petit peu. Bah, par contre, la musique, ça commence à me gaver là. Putain. Ok, en fait, quand on appuie sur la croix, on demande à notre personnage, l'autre personnage de, putain, de sauter pour contrer la balle. Je sais pas si vous m'avez compris. Oula, putain, il a fait un super service de ouf. Putain, mais je voulais faire un smash. Putain, je me suis trompé. Putain, salaud. Bien joué, bien joué. Bon, c'est serré là, j'ai l'avantage, mais c'est serré. Bon, là, je vais essayer de la mettre dans le petit coin là, voilà. Hop. Par contre, j'aimerais bien savoir comment faire les super smash aussi. Je vais essayer d'appuyer sur. Putain, mais j'appuie sur la croix. Voilà, c'est bon. Putain, je voulais changer de. J'essaie d'appuyer sur un autre bouton. Voilà. Bien joué. On a fait une petite feinte. Ok. En fait, on peut faire des sortes de feintes. Je vais essayer de changer de bouton pour voir. Ouais, donc c'est ça. Carré, c'est vraiment. On lui fait la passe et elle frappe tout de suite. Ensuite, on peut faire. La croix, donc elle nous le remet pour faire un smash. Elle nous le remet pour se faire un smash, ouais, c'est ça. Donc là, hop. Oh putain. Putain, elle a changé de direction.
Il y a combien là? 6-5? Ok, d'accord. Bon, on va se concentrer. On va essayer de gagner ce match quand même. Vu que ça va être le dernier. Putain, mais j'ai appuyé! Aïe, aïe, aïe. Putain, mais n'importe quoi. Oui, il la reprend pas automatiquement finalement. Hein. Faut vraiment bien gérer le. Voilà. Putain, j'ai dirigé la flèche, mais. Bien joué. Bien. Mais. Putain, mais elle l'a remis à n'importe. Ça commence à m'énerver un petit peu, mais bon. C'est la détente du soir. Hein. On va se calmer. Putain, je vais essayer d'appuyer sur un autre bouton si ça change. Putain, mais je l'ai dirigé. C'est bon. Putain, j'ai cru que je l'avais mal. Allez. Là, je vais essayer de faire un super tir pour voir. Non, on peut pas. Hein. Ouah, là, je les ai niqués, là. Mais grave. On va changer de bouton pour voir si ça fait un tir de ouf. Putain! Putain, ils vont gagner encore. Bon, je vais me concentrer, je vais me concentrer. J'y étais presque là. C'est bon, je l'ai. Voilà, c'est bon. Oh là, je les ai niqués là. Égalité. C'est bon, je l'ai. Remets-la à moi. Oh putain, mais je voulais faire un smash. Pourquoi il fait pas de smash? Il fait un smash. Je vais essayer de faire un smash. Non, il veut pas faire de smash là. Il veut plus faire, ça y est. Putain, il m'a niqué là. Oh putain, mais j'ai cru qu'elle voulait. Allez, on se concentre, on se concentre. J'y suis presque là, j'y suis presque. Oh putain, fait chier. Bon bah sur ces images hein, je vous laisse hein. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo hein. En tout cas c'était Beach Volleyball sur PlayStation 2, donc un jeu que j'ai trouvé en cash pour 1,50€ hein, avec des babes qui sont plutôt sympathiques on va dire. Il y a aussi des hommes hein, vous l'avez vu à l'écran, donc ouais bon c'est un jeu sympathique ouais, je sais pas si je vous le conseille mais ouais. Je vous conseille, ouais. Je vous conseille parce que c'est sympathique. Bon, allez, sur ces images, je vous laisse. Hein, et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Salut à tous.